Chez de fermentation et d'élevage du vin blanc sec. Quelle est la différence principale dans les travestes et dans Barsac ou Sauternes? Alors il y a plusieurs, en fait, des vins liquoreux dans le monde, il y a vraiment trois familles, on va dire. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est de la famille des Passito ou vendanges tardives, donc qui est plutôt de la déshydratation par le soleil. Il y a ce qu'on appelle les ice wine, donc ça c'est une concentration par le froid. Donc finalement la première famille c'est une concentration par le chaud. La deuxième famille des ice wines, c'est une concentration par le froid. Et puis la troisième catégorie, ce sont les vins de pourriture noble. Alors le pourriture noble, c'est-à-dire le botrytis, c'est un champignon qui arrive sur la pellicule, qui rend la pellicule perméable, si je puis dire, et donc qui permet à l'eau de s'évaporer. Ça, c'est le premier rôle du botrytis. Le deuxième rôle du botrytis, c'est qu'il engendre une concentration aromatique indirecte. C'est qu'il est considéré par le raisin comme un ennemi. Et le raisin, pour se défendre de cet ennemi, produit des précurseurs d'arôme. Un précurseur d'arôme devient arôme avec la fermentation. Pour simplifier, on peut dire produit des arômes. Et si l'on compare une baie de sémillon avec du botrytis et une baie de sémillon avec laquelle, par exemple, on ferait un vin blanc sec sans botrytis, il y a 50 fois plus d'arômes sur un raisin botrytisé que sur un raisin non botrytisé. C'est pour ça que quand on met le nez dans un verre de Sauternes, on a l'impression d'une intensité aromatique qu'on n'a avec aucun autre vin. Et ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Normalement, la première génération de botrytis qualitative s'installe autour du 15 septembre. 15 septembre, il y a une deuxième vague fin septembre, et puis deux autres vagues sur le courant du mois d'octobre. Il y a plein de gens maintenant dans d'autres régions, dans d'autres pays, qui favorisent la botrytis avec pulvérisation et tout ça. Ici, c'est totalement naturel. Naturel, 100%. Et d'ailleurs, la pulvérisation de botrytis, sincèrement, c'est une expérience qui fonctionne pas bien. Hein. Rien ne vaut la contamination naturelle. La pulvérisation, c'est ça marche pas parce qu'il faut vraiment la pulvérisation, c'est ponctuel. Ça marche quelques heures. Pour que ça fonctionne vraiment, le botrytis, il faut une ambiance 100% du temps, 24 heures par jour, qu'on n'arrive pas à reproduire de manière artificielle. Ici, nous sommes à Barsac, donc l'appellation commence. Ce qui est très caractéristique, ce sont ces petits murs qui entourent les propriétés, parce qu'en fait, c'est le calcaire qui était présent dans la terre. Et quand on a planté la vigne, on a enlevé toutes les pierres et on a fait des murs avec. Ah oui. Donc Barsac, plus qu'à Sauternes d'ailleurs, Barsac a un vignoble qui est entouré de murs.
La spécificité de Barsac par rapport à Sauternes, c'est que nous sommes sur un sol calcaire, donc il y a 40 cm d'argile, et après le calcaire que vous voyez sur les murs, donc ces petites, c'est ce sol calcaire. Alors qu'est-ce que ça change dans le goût du vin ? Eh bien, le calcaire aide à faire des vins plus acides, avec des pH plus bas. Ce qui est très important pour les vins liquoreux, parce qu'un vin liquoreux, s'il n'est que liquoreux, c'est pas très intéressant. Pour faire des vins qui vieillissent et qui suscitent l'attirance des consommateurs, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sucre et l'acidité. Et les grands vins liquoreux sont toujours des vins évidemment liquoreux, mais avec une acidité suffisamment élevée. Ici à Barsac, on a une aptitude naturelle à faire des vins plus acides qu'ailleurs grâce à ce calcaire que vous voyez sur les murs qui en fait est dans le sol. On traverse les petits sirons et on est à Sauternes. Et on est à Sauternes. Avant c'est tout Barsac. Avant c'est Barsac. Et donc là, sur Sauternes, qu'est-ce qui change ? Vous allez voir, c'est un peu plus vallonné. Il y a des expositions, pas mal d'expositions au sud. Et on est sur un sol de grave. Donc qui lui est le sol typique de la rive gauche de la Garonne. Finalement, Barsac, c'est atypique. Barsac, de l'argile sur du calcaire sur la rive gauche, c'est pas logique. C'est pour ça que les vins de Barsac ont un style qui est assez atypique.